Premier ministre, si vous gagnez les élections, et lui aussi, s'il gagne les élections comme président, il vous propose comme Premier ministre, dans un accord global avec le Parlement, avec la société civile et toutes les forces de ce pays, parce que nous besoin gens de bagaille ça. Je dis à moi penser qu'il faut effectivement que Jovenel Moïse, t'arrête les Maryse Narcisse, l'itarrête les Maurice Jean-Charles, l'itarrête les Jude Célestin pour dire qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour nous sortir pays à la salle. Là. Sinon, eh bien, on a continué dans ce cycle que nous t'as parlé tout à l'heure, là, au micro, hein, pendant un petit peu de temps, que nous avons un cycle de vengeance et de violence qui ne va jamais finir, de revanche, nous sommes des revanchards, nous ne parlons pas de rouer, yon l'autre, c'est ton apton pour nous saisir pouvoir, pour nous prendre revanche sur le monde que nous t'es estimé qui était ennemi, nous qui t'es adversaire, nous, avant. Donc, il faut en sortir de ce chaos. Jean-Chemin Jean-Baptiste, conseil électoral provisoire, là, procédé 3 janvier, qui se passe là, à la proclamation, des résultats définitifs et résultats saillots, c'est toujours Jovenel Moïse que le bail pour gagnant et qui vient automatiquement et le 58e président et pays d'Haïti. Votre avis? Bon, et bah c'est que population en font ouf, pas en ouf et dans le sens qu'il y a bien vivre, mais on de soulagement parce que yo fatigué. Je pense que tout le monde qui a fait politique dans le pays, que dans le camp ou bien à travers des espaces fermés, le peuple a été fatigué. Et il a montré qu'il est fatigué à travers la mobilisation pour aller à l'élection, il n'a pas sorti. Et je pense qu'il y a 15 sociologues qui ont cherché qu'on est pour qu'il ne soit pas sorti. Nous avons souhaité. Et en 2021, dans la campagne électorale, il y a un qui est un livre qui dit mais pour qu'il ne soit pas sorti. Monsieur, nous avons un travail pour nous faire et je pense que nous avons acheté le livre ça pour au moins les prochains candidats. T'as qu'on est qui ça pour vous dit pour que la population se tire pour y aller voter dans l'élection. Maintenant, Jovenel Moïse, et citoyen, est maintenant élu président selon le résultat définitif que CEP a bail là. Parce que traditionnellement, chaque élection finie dans le pays, nous pensons que c'est pays à refait, pays à refait. Tout le monde content, les alliés, parce que le pays a pour nouvelle naissance, et puis tout le monde oublie que on est président pour résoudre ces deux problèmes qu'il a depuis 200 ans. Moi-même, moi souhaite que l'équipe Jovenel Moïse n'a pas fini de fêter. Pas oublier, et m'a dit, nous pas besoin de langue de bois, Jovenel Moïse a pris remplacer une équipe qui s'est adversaire politique. Dans la question intrigue, ici, qui ça a fait dans le système politique, ça système de gouvernement, administration publique, là, qui pour faire les Jovenel rentrer 7 février, 7 mars, 7 avril, 7 mai, Jovenel pour rien. Et puis, peuple a dit, mon cher, nous te voter parce que te dimanche, on a mis 4 bagages ensemble pour changer le pays. Et puis, comme, parce que les gens ne doivent pas unir, utiliser le mot unir pour yo. Mande moun al voter, mais on a mis tête ensemble là pour commencer à montrer, Jovenel, nous te voter, et même je ne vais pas faire un. C'est pour ça, moi-même. Et les 55% que Jovenel fait dans 30%, dans moins de 30% participation. 21%. Dans moins de 30%. Bon. Ah non, mais en gros, bon, ok. 55% que Jovenel fait dans 21%. Et en pile, c'est majorité qui remonte. Même pour moi, son minorité, mais une minorité active qui a eu courage sorti voter. Selon le résultat, encore. Je souhaite que c'est vraiment 55% de monde qui a voté. Monsieur, maintenant, l'équipe policière, monsieur, a de garder d'abord les grands dossiers. Je dis, nous avons un grand sud qui détruit. Jovenel Moïse au Palais National, pas qu'à faire 6 mois sans monsieur beaucoup la réponse. Ça m'a dit à la claire. Mon cap supporte Jovenel dans l'équipe. Monsieur supposé bon plan de redressement progressif pour le Grand Sud allant de 6 mois, 12 mois, 18 mois jusqu'à le Grand Sud d'où il est. Parce que mon Grand Sud ne va pas le temps de Jovenel faire un an sous pouvoir pour qu'on ait un concret cap fait. Deuxième bagarre, la dépréciation de la goutte. Si, par malheur, en mai prochain, dollar passe à 100 gouttes sous Jovenel, vous connaissez son motif. Et pour ban pour que vous dites mon cher, mais nous te dit nous voter monsieur, mais je dis à dollar passe à 100 gouttes sous lit. Donc, faut Jovenel commence à gagner de politique spécialiste dans l'économie qui a réfléchi sur ça. Deuxièmement, la question de santé. Nous avons une question de grève récurrente dans les hôpitaux publics. Quand Jovenel prend le prêter serment, tout le monde va attendre que Jovenel prenne l'abord des problèmes. Donc, je dis à monsieur comme président, faut n'est pas la guette tête, non dynamique, intrigue, formation de gouvernement, fait trac sauti sur WhatsApp, sur Facebook pour dire qu'il n'est qu'un premier ministre. Je dis à faut que le monsieur rentre dans le pouvoir, monsieur Gaumont, qui a eu des charges avec des propositions concrètes. Président a fait 1, 2, 3, 4, sous 3 mois, sous 4 mois, sous 5 mois, sous 6 mois. Parce que moi, ça me craint. C'est inquiétude, moi, qui fait me parler comme ça. Inquiétude, moi, c'est que, avec tout problème que le pays a gagné, Jovenel Moïse parle remplacer un ancien régime qui politiquement c'est adversaire lui. Monsieur pas capable de réponse immédiate et comme dans l'instinct
de la population, le nèg la président, son papa bon Dieu tombé sous terre pour résoudre tout problème. Et bon, doit rapidement, même nèg sa yo, avec capacité yo gen pour yo mobiliser moun dans le mal, yo construit encore un pays de troubles contre Jovenel Moïse, qui fait que la présence de Jovenel Moïse pendant les 5 ans li pourri, et pour pas gen ken résultat, et puis nous tomber dans un cycle interminable ça. Donc moi-même, c'est comme ça m'aborde des questions. M'pas besoin de parler qu'on a de questions Jovenel Moïse, monsieur président déjà, li juste rete pour le prêter serment, ses alliés, ses cadres, moun ki nan ekip li, faut qu'on y commence à réfléchir sur les dossiers. Criant de l'État pour que vous proposez M. Debagay pour nous pas gagner chance côté peuple à gagner arriver impatient et que vous pourriez président cela. Et malheureusement, Jovenel Moïse raté 5 ans, Haïti raté 5 ans et nous tous qui là nous raté 5 ans. On va me river sous Benjamin Franklin. Clarence, sur une question particulière. Seriez-vous prêt à collaborer avec Jovenel si toutefois que le tas est moins de collaboration? Et qu'est-ce que ça a toujours aimé et retourné souvent? Vous connaissez tout. Démarche politique que me fait et qui peut-être étonner un peu le monde, etc. N'est pas une démarche de monde qui besoin poste de pouvoir. Et me toujours rappeler ici à Nico, ça me fait un peu de fois déjà, peut-être avec Valérie Numatou et autres. Avant même que je me entré dans la course électorale en 2013, deux ans avant, président Martelly, avec tout premier ministre, la mode terrible, me dit proposer mon poste de ministre que je ne vais pas accepter. Je ne vais pas prêt, je ne vais pas sentir là-dedans. Donc, je veux dire, ce n'est pas la première préoccupation, Clarence. Non, mais soit prêcher l'unité, Clarence. Ah non, ça, c'est l'autre bagarre, on n'a pas les connards là. Je vais répéter, toujours, prêcher l'unité, toujours. Je ne vais pas croire moi-même, d'ailleurs, je vais garantir. Je ne pas monde qui va poser plus gros problème dans la rue. Je n'ai pas besoin de relais. Sincèrement, il n'y a pas besoin de relais. Clarence est un opposant inoffensif. Moi, je suis un opposant, je apporte des idées. Je fais des débats, machin. Même pas, ne va mettre mon nom là, poser caoutchouc, faire bosser sur là, ni bloquer l'administration. Donc, il va, un gouvernement a besoin de relais en réalité. Parce que, je ne suis pas nuisible. Par contre, je toujours dit, oui, il nous faut la réconciliation. Et c'est pour ça que je pensais que, élément qui plus potentiellement qui pose un problème, c'est au même bureau relais pour mettre chita. D'abord. S'il faut que offrir des postes de responsabilité, c'est pas des partages de mousse au gâteau, de gâteau, mais des responsabilités. Donc, qu'on y a pour moi une question là, oui, si on dit Clarence, je vous engage dans une responsabilité, ça m'intéresse. Parce que je suis dans la responsabilité déjà, parce que m'engage dans la politique, je quitte pas paquet de barrières personnellement tombé pour m'entrer dans la bagarre ça aujourd'hui là, que je paye cher quelque part. Donc, j'ai envie de prendre des responsabilités pour moi, qui ça me capote comme contribution pour faire payer l'avancée. Mais je ne recherche pas un poste politique comme quoi, si je venais de l'impliquer avec lui, comme conseiller ou comme ministre. Non, c'est pas ça qui me préoccupe d'abord. La préoccupation, c'est que, avec Clarence, en dehors du pouvoir, ou en dehors du pouvoir, j'ai envie de voir mon pays fonctionner comme des pays modernes, normal, qui gagne une transition que fait chaque 5 ans, président élu, monte, etc. Voilà. Mais on est d'accord avec nous que par rapport à discours qu'on a véhiculé, hein, tout le monde a remis à l'œuvre, nous sommes sœurs. Mais mettez-moi à l'œuvre alors. Si vous êtes Jovenel, pas de problème, mettez-moi à l'œuvre. Franklin Benjamin, résultat définitif proclamé, Jovenel Moïse, censé 58e président pays d'Haïti, sans avancer. Bon, alors, ça me pensait. Mais avant, ça me pensait, et on compris à l'ab, moi-même fait. Alors, il y a l'autre bac à vous penser avant. Oui, c'est ça. Compris à l'ab, moi-même fait. Les m'a abordé qui sont élections, surtout, et dans le contexte haïtien. C'est que, parfois, nous réduit tout problème pays à problème électoral. Tout se passe comme si, et des fois, parler de Haïti, donc c'est les élections. Mais, c'est-à-dire que, élection, c'est un panacé, une espèce de solution globale à travers laquelle tout se résout. Même pas quoi du tout. Et c'est au contraire, tout se complique. Hein? Tout se complique. Ça, son premier regard. Et deuxième question, c'est parce que d'ailleurs, nous avons un résultat élection, nous avons un type de monde qui est élu là-dedans, etc. Deuxième barrière là, c'est concernant, par exemple, bon, choix système électoral, tout. Même pas quoi nous, j'aime prendre temps nécessaire et effectif pour nous réfléchir sur cette question. Parce qu'il faut admettre quand même que nous rentrons dans la question histoire électorale là, on ne dit pas effraction, mais plutôt de manière dramatique, et depuis 1806, etc. Comment expliquer ça, de manière dramatique? Ah, Pétion, par exemple, j'ai commencé commencer l'histoire électorale dans le pays, là. Fraude et augmentation de paroisse, et réécriture de la constitution, etc. Donc pour mettre le système là à son avantage, donc nous rentrons là-dedans sur la base de la fraude. Et toute histoire électorale, bon, c'est pour nous faire choix, faut nous garder l'histoire électorale pays, qu'on prend, et pendant le 19e siècle, là, Noël Alexis, par rapport à Firmin, qu'on prend, et Duvalier, Desjoies,
et ou prend avec Magloire et tant d'autres monde etc. et ou vienne pipri et c'est l'homme d'ap fait référence à 87 encore que faut analyser pour nous ouais ça 87 là t'es là dans le qui était aussi sérieux et vous mettez le 90 qui ton contexte quand même post dictatorial t'es gon effervescence mon nous t'en vie on changement de système peut-être par contre c'est parce que le système n'était aussi fiable que ça ou bien parce que t'es gagné un engouement tel que bon il te paraît comme évident maintenant il est clair que et nous avons un choix pour nous faire parce que finalement ça qui passe dans toute l'histoire récente conseil électoral provisoire qu'on prend depuis Manus qui courait aller etc c'est que nous hésitons font regarder est-ce que nous devons changer le système non et j'ai une élection faite ou bien changer Mounio sauf que nous faisons choix nous faisons choix plus facile en général bon nous disons les conseils électoraux et puis nous changeons et puis à chaque fois on dit ah mais non c'était pas la bonne personne il faut rechanger encore changeons de temps en temps mais on recule que nous refusons de faire pour que nous réfléchissions pour nous connaître quel système, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour que nous arrivions à de bonnes élections. Bon, maintenant les élections, nous est ça qui passé, deux ou trois ans qui sont passés là-haut, et c'est des débats dramatiques. Dramatiques sur un paquet de points parce que c'est jamais clair. Les règles, il n'est pas jamais clair, les règles sont pas respectées, et les financements, c'est jamais clair. Regardez ça qui passe en termes de financement dans la rue, c'est extraordinaire. Ça, loi électorale l'a dit, avec ça qui passe sous terrain, c'est la nuit et le jour. Mais c'est en au vu et au su de tout le monde, y compris du conseil électoral provisoire. Et gagner aussi des accros qui fait, vous êtes capable de dire, à d'autres aspects légaux. Maintenant, où parler de résultats qui baillent? Est-ce que résultats et nous rentrer là-dedans, est-ce que ça me pensait de lui? Bon, d'ailleurs, je ne parle pas non, mais sans doute, comme une affiliation politique, il implique de fait que je ne parle pas d'affiliation politique là. Moi, je pense.